Alors oui, on a placé l'avis des abonnés à la fin parce que la semaine dernière, on vous avait posé une question si les influenceurs sont des modèles pour la jeunesse et vous avez été très nombreux à répondre. Il y a des oui, des non. Et on a pris les deux commentaires les plus likés. Oui, non, est-ce que les influenceurs sont des modèles pour la jeunesse? Et on commence avec le premier. Alors oui, les influenceurs représentent chacun la société et ont réussi dans leur domaine. C'est donc normal de prendre exemple sur des gens qui réussissent. Non, faut pas prendre l'exemple de gens qui veulent simplement du buzz. Donc du coup, là, on a vu l'avis des abonnés. Et justement, on va demander, comme Elodie et Aleph n'étaient pas là la semaine dernière, dites-nous, vous, votre avis par rapport à ça. Je pense que certains jeunes s'identifient effectivement à ce que pensent ou ce que disent leurs influenceurs. Donc, il faut faire attention quand même à ce qu'on dit. Donc, pour toi, ce n'est pas des modèles, les influenceurs? Ça peut être des modèles pour certains jeunes qui s'identifient. Oui, ils ont une responsabilité. Mais il faut faire attention. Ils ont une responsabilité derrière. Voilà, c'est ça. Il y a des influenceurs que tu peux idolâtrer, mais il y en a... Enfin, idolâtrer. C'est-à-dire que toi, par exemple, quand on te regarde, faut t'idolâtrer. Non. Toi, oui, par exemple. Mais bref... t'en as que... Merci beaucoup, Alès. Laisse-moi finir. T'en as qui sont pas du tout bien pour la jeunesse. On va pas coucher là. Tu as fumé quelque chose. Les Marseillais, voilà, la télé-réalité, tous les influenceurs. Qu'as-tu pris avant cette émission? Tu m'as l'air un peu shooté. La frappe. La frappe. Merci beaucoup, Alessandro.